Mais après tu te bats contre un serpent. Je t'ai ramené le fruit de ma récolte dans ta... Ah parfait, parfait. Oh bah par contre la tête de tigre, tu peux te la garder hein. Bah non, c'est bon la tête de tigre. Bah tu veux la cuisine avec quoi? Y'a rien à manger. Tu mets un peu de sel dessus et puis c'est bon. Comment bon, se passe pas l'avancée des travaux? Il parle pas. Attends. Hein? Ah pardon. C'était pas nous qui parlait en fait. Moi je parle à tout le monde d'une manière générale, ne vous inquiétez pas. Ah, pardon. Excusez-nous. Est-ce que les constructions ont commencé? Oui, on a commencé à construire. Très bien. Alors l'organisation du camp. Commencer. Je vois que vous avez organisé toutes les tentes. Tous les travailleurs sont déjà en place. Pardon. Bon, on va pas gâcher cette petite nourriture là par terre. Où sont nos architectes? Oh, pardon, excuse-moi. Voici. Très bien. Nous allons avoir sûrement la visite du clan d'Abou que je viens de rencontrer. Je pense que j'ai réussi à les convaincre de rejoindre l'Alliance. Ils ont simplement demandé à, à leur prémètre qu'il n'y aurait pas de diffusion de sang au sein de la cité et que les peuples qui taillent seraient protégés et traités comme il se doit. Très bien. Bon, alors, qu'avons-nous prévu au niveau de cette cité? Expliquez-moi tout. Petite soif. Ah. Alors la cité sera bâtie sur cette grande plaine, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous aurez votre trône sur l'Oise? Oh, évidemment. Attention. Je ne veux pas de trône, surtout pas. Je ne veux pas que les personnes pensent que je suis au-dessus de qui que ce soit. Je ne veux pas de trône, je veux une petite chambre comme n'importe qui. Mmh. Je suis comme vous, bien. Je ne suis pas un roi. Ne me traitez pas comme un roi, justement. S'il vous plaît. Une chambre de luxe. Alors, il va falloir plusieurs quartiers. Un quartier pour les sétites et les fidèles de Derketo. Il va falloir un quartier pour les fervents d'Ymir. Un quartier pour les peuples de Mitra. Cela me rend triste de les séparer, mais nous n'avons pas le choix si nous nous voulons éviter les effusions de sang et les combats. Il va falloir une grande place. Il me semble que Publius avait déjà commencé les plans de la cité. Et pour ceux qui n'ont aucune croyance, vous êtes tous les bienvenus. Et je pense que les architectes penseront à vous. Quoi qu'il en soit, Publius a besoin d'architectes pour bâtir cette cité. Il va falloir que les architectes se coordonnent pour pouvoir construire ensemble et pouvoir savoir comment faire les choses du mieux que possible. Il faut que la cité avance. Le temps nous est vraiment compté. Je suis désolé de vous le dire. Mais les hommes vont devoir mettre bouchée double. Solliciter le maximum d'aide. Que tout le monde mette les mains à la pâte. J'ai entendu dire une personne tout à l'heure qui disait qu'ils se cacheront pour combattre. Et qu'ils reviendront simplement pour combattre. Je trouve ça un peu désolant de voir que des personnes vont profiter de la défense que nous avons faite simplement pour combattre. Mais ne mettront pas la main à la pâte. C'est un peu lâche de leur part.
Mais bon. Nous accueillerons tout le monde, comme il se doit. Bon. Par où allons-nous commencer pour ériger cette cité? Il va nous falloir des mains fortes. Excusez-moi. S'il faut, je mettrai les mains à la pâte, mais je vais essayer de coordonner certaines choses. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant le nom de celui qui dirige cette armée noire qui arrive sur nos terres. Il se nomme Ahriman. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de lui. Ahriman est un dieu maléfique, bien plus ancien que le serpent de Seth, bien plus ancien que Seth lui-même. Ahriman a été banni depuis bien longtemps par tous les dieux réunis. Il est connu comme le seigneur de la destruction, le dévoreur des mondes. Il est considéré comme un dieu maléfique, terrifiant, que même les prêtres de Seth ont dû aider pour son bannissement. Vous savez que Seth ne se mêle jamais à aucune guerre, que Seth n'a jamais aidé qui que ce soit. Il n'aide que les Sethites. Mais pour le bannissement d'Ahriman, il a participé à celui-ci. Tous les dieux le craignent, même Mitra. Tous les dieux craignent son retour. Tous les temples qui étaient érigés en l'honneur d'Ahriman avaient été détruits à l'époque. Son armée est bien plus puissante que je ne le pensais. C'est exact. Nous allons tous nous unir, comme les dieux l'ont fait à l'époque. Nous allons lever les armes, lever les poings, et faire en sorte que nous fassions retentir notre colère, la colère des hommes et la colère des dieux contre cette armée. Ne perdez pas espoir, cette grande cité nous protégera tous. Rassembler le plus d'hommes possible pour pouvoir commencer. Nous allons commencer les travaux tout de suite, s'il le faut. Allez, je vais participer. Y a-t-il des choses à porter, des choses à amener directement sur place pour que je puisse vous aider? Très bien. Je ne trouverai le repos que lorsque je serai mort. Ne vous inquiétez pas. Bon. Allons-y. Je veux voir cette cité pousser et les murs construire. Eh ben oui, ça va être l'heure de la sieste là, hein, par contre. Ceux qui ont besoin de repos, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas des animaux.
Eh bien, ticket. Ça fait peur de tout ça. Oui. Ah. Un petit peu, un petit peu. Ah, mais. Enfin, écoute, il a un drôle de nom, le dieu, hein. Aliman. Ça fait pas très peur tout ça. Ah, oui. C'est un vendeur de bonbons. Ça. Vous avez dû laisser pousser votre barbe longtemps hein, pour avoir ça. Ah oui, avant j'avais les cheveux longs, j'ai tout rasé, je suis devenu le grand chef. Ah ouais, d'accord. Vous, les grands chefs, doivent se raser le crâne. Ah bah oui. Le chaque année, l'engin dit, aussi. Tu te rases là le crâne. Ah ouais. Mais vous avez dû vous couper le zizi aussi. Ah. Quoi? Mais vous êtes fou, eh nana, on se coupe pas le zgouigoui? Je vois, je vois. J'en ai besoin pour mes 5 femmes, hein, quand même. Oui. Et pour faire la tribu de guerriers. D'accord, d'accord. Mais s'il y a des modes vivants qui viennent et qui tuent tout le monde, et moi je pourrais pas faire de tribu de guerriers, alors moi je suis venu pour me battre. Oh mon dieu, ouais. C'est bien, quoi. Et montrer à tout le monde que tribu chacun dit très fort. Le grand guerrier. Mais là c'est l'heure de la sieste. Et chacun dit, il a dit, et quand le soleil il est dans le ciel, il faut dormir. Ah oui, bah c'est sûr. Vous travaillez que la nuit. On doit pas vous voir la nuit. Non, parce que chacun dit a dit aussi que quand la nuit quand la lune est dans le ciel, il faut dormir aussi. Ah bon, ouais. Rainir, pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît? Mais bon, là, il faut travailler. Il faut construire. Ouais, il faut travailler. Ouais, je vais sortir le marteau. 3 coups de marteau par-ci, 3 coups de marteau par-là. Ah oui. Bah, moi, pas très bon constructeur, quand même, mais bon. Ouais. On va pouvoir préparer beaucoup de choses. Ça ira, ça ira. Oh, excusez-moi, oh pardon. Oh là là. Bah. Bonne chance. Vous vous appelez comment? Ah bah moi c'est les grands chefs, hein, mais avant tout le monde m'appelait Doudou. Doudou, mec. D'accord. Moi c'est Ardeur. Ah oui. J'ai cru que je vais aller dans les Nord, là je vais aller voir. Publius m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'il t'avait nommé second pour l'aider dans l'effort de guerre. S'il a confiance en toi, alors j'aurai confiance en toi aussi. Fais en sorte d'entraîner le plus d'hommes possible au combat pour qu'ils soient prêts. Il va falloir trouver des forgerons assez puissants et assez, comment dire, assez bons pour pouvoir forger les meilleures armes que l'on puisse faire. Je vous donnerai, une fois que j'en saurai un peu plus, je vous donnerai le métal à utiliser, histoire que l'on puisse savoir comment contrer cette attaque avec les meilleurs outils. Fais en sorte que cette cité soit protégé et que la défense intérieure soit sans faille. Cela va être compliqué. Avec les différents peuples et les différentes religions, il risque d'y avoir certains conflits. Et il serait dommage que la guerre commence à l'intérieur et qu'elle arrive aussi à l'extérieur. Merci. Dis-moi, où est ta prêtresse?
très bien. Je la verrai une prochaine fois dans ce cas. Je t'en remercie, je ne t'embête pas plus, Rainier. Que Mitra te guide. Et normalement, la race noire, elle a pas beaucoup de poils hein, sur la poitrine. Bon, ça dépend. Attention à ce que vous dites, hein. Ah non, c'est la c'est pure suggestion. C'est la suggestion. Mais non, pas du tout. Mais toi, tais-toi là, il est ton cul à l'air. Il y a même des poils qui sortent. Attends, tu... Ah ouais.